Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 23 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Chênaie, première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Ce très bon quintet plus parisien non européen de fin de meeting hivernal est généralement visé par beaucoup d'entourages. Par le passé, de bons chevaux comme Viking Blue ou encore Ustinov du Vivier ont inscrit leur nom au palmarès. Cette année, sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, un peloton de 16 unités séparées en deux échelons de départ s'affrontera et cela promet une très belle bataille avant coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 14, Duel du Gers. Il affronte un lot à sa mesure au papier strict. Mathieu Abrivard, son entraîneur driver le connaissant sur le bout des doigts, il décevrait en sortant du podium aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 12, Crusoe d'Anama. Jean-Michel Bazir, son entraîneur pilote, le trouve toujours aussi bien et il pense qu'il peut clôturer son exceptionnel meeting hivernal 2020-2021 par un joli succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Cristal du Perche. Beaucoup de moyens pour son pensionnaire de Benjamin Goetz qui compte profiter au maximum de sa position au premier échelon. En quatrième position viendra le numéro 13, B1 des Tirons. Il va se présenter sans chaussures pour l'occasion, configuration dans laquelle il termine généralement à la vitesse du vent. L'entourage y compte logiquement avant coup. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Dexter Château. Il a encore de la réserve en cette fin de meeting. La famille Bigeon affichant une belle confiance avant coup, difficile d'aller contre même s'il reste sur une disqualification. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Carioca. Il réalise un somptueux meeting hivernal et trouve un magnifique engagement à la limite du recul lors de ce lot de grande qualité où il peut rivaliser avec les plus jeunes. En avant-dernier choix, le numéro 3, Capital Charme. Sa classe ne fait aucun doute, mais il n'est pas de tous les jours. Dans une telle épreuve, sage, il peut décrocher l'une des 5 premières allocations. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Braco. Il s'élancera au premier échelon et nous connaissons sa dureté. S'il s'empare des commandes de l'épreuve, nous connaissons sa dureté. Et ce, à grosse cote. En cas de non partant, le numéro 16, Cicero Noah, qui va finir par retrouver son niveau, introduirait alors notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, la Minute Quintée, Top Prono et Turf Sélection indiquaient tiercé, quarté, quinté plus dans le désordre pour des sommes de 141, 200 et 274€. Le tout en seulement 6 chevaux pour la Minute Quintée. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'infos complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.